L'agroécologie qui met dans nos plats des mets sains et naturels, c'est aussi une préoccupation d'INADES Formation qui, à l'occasion du 7e Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, le CIALO, a organisé une dégustation de mets locaux, histoire de présenter à tous toutes les possibilités culinaires que nous pouvons avoir avec nos produits locaux. Regardons avec Kwa Siglé et Sonia Amenipo. De la crêpe farcie au fonio à la soupe de haricots, allant de la sauce moringa accompagnée de hablo, en passant par le haricot au gras, haricot rouge au gras ou encore du dinkoumé et du pédigaou. Ce sont là quelques mets préparés à base des vivres locaux qui sont présentés ici au Salon international de l'agroalimentaire et de l'agriculture de Lomé, CIALO. Ce repas-là, c'est exceptionnel. Et je pense que nous devons consommer nos propres produits. Très locaux, très 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 appétissant. Vous voyez quoi, même je ne veux même pas laisser pour vous parler. C'est très appétissant quoi. Dans tout ce que les produits agricoles là, c'est très intéressant. Ça, ça ne pas dire. Ça c'est typiquement naturel. C'est bon de manger naturel. Normalement on devait prendre des mets comme ça à la maison, dans les restaurants, partout quoi. C'est très bon. Oh, c'est bien, c'est très délicieux. Je n'ai jamais mangé ça. On a fait même à pain, que je n'ai jamais mangé. Mais cette fois-ci, c'est très bien. C'est une initiative à encourager. L'initiative entend éveiller les consciences sur la nécessité de consommer local pour une bonne santé. Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, la question de la consommation des produits locaux devient une question épineuse, d'autant plus que la santé en dépend. Du coup, on a voulu que, sur la base de cette initiative, qu'on puisse éclairer les gens sur la nécessité de produire et de consommer local. Cette démarche de dégustation des produits locaux vise également à encourager les productions locales pour un développement économique du pays. Nous voulons attirer l'attention de l'État sur la nécessité de garantir le droit à l'alimentation, de respecter ce droit, de le protéger et de lui donner effet. Ça veut dire de travailler aussi à mobiliser des fonds, à accompagner les producteurs dans le développement de la production locale. Cette journée de dégustation entre dans une campagne de plaidoyer sur le droit à l'alimentation, car l'alimentation est certes un droit, mais demeure un vote, un choix.